Oui, mais que ça se passe sans pomper l'autre. Oui, mais il n'y a pas d'idéal. Oui, alors. L'idéal, si tu crées l'idéal, c'est déjà Un un autre. idéal Oui, voilà. comme c'est. Tu vois, si tu crées un idéal dans l'idéal, eh ben, ce sera des croyances sur croyances et sur croyances, et puis ça veut dire que tout le monde est là-dedans. Il n'y a pas de solution. C'est pas la solution, c'est pas d'avoir l'idéal. La solution, elle est d'aller voir qu'est-ce qui fait ça. Et d'aller voir nos peurs. Pour être averti, se connaître, Oui. pour devenir, pour être sage. Et quand tu es sage, un sage, déjà, il n'a pas besoin de se remplir. Il est la pompe de lui-même. Il se remplit à lui-même. Tu vois? Donc, il ne crée plus la division. Tu vois, parce que aller chercher quelqu'un pour que tu puisses te sentir bien, automatiquement, la personne ne sera pas à tes petits soins tout le temps. Oui. On le sait tous, on l'a remarqué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle, on essaye d'amadouer, de faire plaisir, d'arranger les choses. Tu vas faire comme ça, t'inquiète pas, je ferai tout pour toi. Bouge pas, t'inquiète pas, toi tu restes là, moi je fais tout, tu sais. Je trouverai ton bonheur, je te ferai ça, ça, ça et ça. Tu seras heureuse avec moi, t'inquiète pas. Tu vois? C'est pas ce qui se passe. Le mari va travailler, il ramène de l'argent, il dit à la femme, regarde comment tout ce que je te donne, je te gâte ma fille. Tu vois? Je te gâte pas comme ça là. Et la femme dit, ouais, tu me gâtes. Mais elle est malheureuse. Parce que c'est pas ce qu'elle a besoin. Donc tout ça, c'est, tu vois, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir la manne, tu sais, l'énergie de l'autre. Si l'autre ne te donne pas son énergie là, t'es baisé. T'es un malheureux gars. T'es un gars qui est amoureux d'une fille et la fille n'a rien à voir là. Ah Il est ben malheureux, hein, il oui, souffre. sûrement, oui, sûrement, il est malheureux, Hein? oui. Il attend comme un couillon, il dit, toche ta boîte. Oh, t'es petit filament de peau, t'en y aime à lui, à cause de lui, aime pas moi. Ah bon. Et moi qui. T'es moi les prêts pour Donald, toute mon affaire. Les prêts pour prendre, oui? S'il vient là, moi, il me trappe lui-même. Non, mais c'est ça notre. L'ambiance là, on se crée cette ambiance là. Et on a tellement fait ça, toute l'existence. Ça semble être le truc tout à fait traditionnel, la mode. Hein? La Oui, c'est mode. rentré dans Voilà, dans les les mœurs, tu sais, voilà. c'est comme ça. On se rencontre, on s'aime, et puis on se pompe l'un et l'autre. Et puis après, quand il n'y a plus rien à pomper, ben on va chercher quelqu'un. Hein? Voilà. Parce que tu vois, c'est ça qui fait que ça peut pas durer. Aucun couple que tu connais. Ok? Rares sont ceux qui ont été vraiment en communion, hein, qui n'avaient pas besoin de l'un de l'autre. Et eux, ils sont restés. Ils ont pu faire quelque chose pour l'humanité. Parce que c'est ça, la collaboration de deux êtres pour aider l'humanité. Ça sert à ça, tu sais. La collaboration de deux êtres pour élever des enfants. Ça sert à ça. Pour faire quelque chose pour l'humanité, mais pas pour faire quelque chose pour eux. Oui, mais ils s'en rendent pas compte quand ils le font. On n'est Ils ont pas pas conscience. conscient. Et voilà, ils ont On pas n'est pas conscience. conscient. Oui. Ouais. Ben. Mais tu es consciente. Tu peux leur dire. Oui. Ben oui. Parce que si tu. Écoute bien, enfin, tout ce qu'on se dit là, apprends bien. Parce qu'un jour, il faudra que tu le dises à quelqu'un. Tu comprends? Parce que la passation de génération en génération se fait comme ça. L'éducation,
l'amour qu'on porte l'un pour l'autre, c'est passe de génération en génération, jusqu'à ce que tout soit purifié. Mmh. Voilà. Mmh. Et ça ne se passe, ça se passe pas comme on pense, ça se passe exponentiellement. Tu comprends ce mot-là? Mmh. Exponentiel. Ça, mmh. ça commence à 1, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 8, ça fait 8, ça fait 1000, ça fait 4000, mmh. ça saute, tu vois? Mmh. Ça fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non. Mmh. Ça va comme ça. C'est ça l'impact. L'impact de cet enseignement, elle a sur la race humaine. C'est un impact, ça. Parce qu'on ne voit plus pareil les choses. On n'agit plus pareil. La peur, si tu as compris que la peur, c'est l'emprise de toi, sur toi-même, okay, et que toutes tes capacités sont enfouies. Autrement, tu peux faire tout. Tu peux changer des situations qui sont inchangeables. Tu vois? Tu laisses les situations arrivent. Ok? En ce moment, dans l'histoire de la race humaine aujourd'hui, elles arrivent et elles nous envahissent. Mais quand tu es libéré de tes peurs, les situations, elles arrivent, elles ne t'accaparent plus. Elles ne te mettent plus dans une boîte. C'est toi qui diriges. C'est toi qui fais, presque qui fait la vague. Pour que les gens puissent surfer dessus. Toi qui dois faire ça. Tu sais, quand je rentre dans une boulangerie, hein, je dis bonjour France Télécom, bonjour. Je fabrique une vague. Tu comprends? Si quelqu'un qui veut surfer, ben il se réveille, il dit ah t'es une vague qui arrive, tu vois, waouh. Mais tu vois, si tu arrives dans un endroit comme ça, le boulanger il est dans un mauvais état, une mauvaise humeur, il est grochon et puis ça, et tu lui dis combien ça fait? C'est 13 euros. Je t'accorde. Tu vois, il n'y a pas de vague, rien pour surfer. C'est le creux. Donc, tu vois, c'est créer cette vague-là. C'est ça, quand tu n'as plus peur, aucune peur, ben, tu crées des vagues. Pour l'humanité, pour ton entourage, pour ta vie, tu crées des vagues pour surfer dessus. Tu vois. Et quand tu surfes là-dessus, tu es en haut de la crête, ben, ta tête, les cheveux marchent comme ça. Et puis voilà. Et le boulanger, il se réveille, tu pars, et puis tu vois, ah, ça c'est une belle vague, ça. Waouh. Comment on reste là-dessus? Alors, on va faire une autre vague, là, tiens. Et puis, ils essayent de faire une vague après, eux-mêmes. Tu vois? Ça, c'est dans un monde où tout est creux, 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 creux. C'est important de lui faire savoir qu'il y a des vagues. C'est ça. Et quand tu n'as pas peur, eh bien, c'est ce qui se passe. Ta réaction devient des vagues. Ta réaction aux événements deviennent des vagues. Parce que tu ne réagis plus avec la peur. Donc, tu es tout simplement en train de créer. Tu manifestes ta vraie nature. Oui. Tu vois? Oui. Et cette vraie nature de toi, là, elle ne peut pas être si elle est brimée, hein, si elle est étouffée par des peurs.
Donc il faut que tu ailles voir ces peurs. C'est quoi? Et voir la stupidité et la futilité qu'elles sont, qui te gardent prisonnière de toi-même.